Et comment on fait pour savoir quels matériaux sont insonotastiques? Oh, on fait appel à la méthode scientifique. La méthode scientifique. On a une observation qui commence par une question. Enquêtons. Formons une hypothèse. Et passons aux expériences. Que découvre-t-on? Tirons une conclusion. Notons tout ça et montrons nos résultats. La méthode scientifique, c'est ça. On a déjà notre question. Quels matériaux peuvent servir à l'insonorisation? Maintenant, il faut qu'on fasse des recherches sur le son pour trouver ce qui pourrait réduire son volume. Voyons voir. Mes notes disent que le son est fait de vibrations qui voyagent dans l'air. On appelle ça des ondes sonores. Je suis sur la même longueur d'onde que les ondes sonores. Ah ouais? Ben moi, je le suis encore plus car j'ai une hypothèse. Si on trouve un matériau qui arrête les vibrations, il fera barrière au son. Hypothèse de génie, Benny B. On n'a plus qu'à tester plusieurs matériaux. J'en ai un, le jean. Il me protège du froid, alors peut-être qu'il nous protégera du son. Moi, je parie sur le papier bulle. S'il empêche les choses de se casser, il peut bien arrêter le bruit. Dans la quête des comètes, le papier aluminium empêche les aliens de lire dans nos pensées. Alors peut-être qu'il bloque les ondes sonores. Et moi, j'ai tout misé sur la matière gluante, parce que j'espère que le son restera collé. Allez, c'est l'heure du test.